Les gars, l'essence a augmenté. Ah bon? C'est chaud. Casque sur les oreilles. Numéro 2 lancé. Numéro 3, tiens, tu vois, on aura même de la caméra intérieure, Joe. Super. La quatrième, si j'avais voulu, j'aurais pu la mettre à gauche, là, qui est la situation idéale. Attention pour une synchro caméra. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Il y a une sécurité. De 1 pour l'audio maintenant. Alors attends, ok, je vais démarrer. C'est bon, c'est bon. Ok, injection primaire, on l'a fait tout à l'heure. Contact batterie on, magnéto sur Bose. Ok, attention, ça va démarrer. Personne sur le côté, personne derrière l'avion, personne devant. Allez, on démarre. Piste 05, niveau de transition 60, RCC 666, piste sèche, parking nord fermé. Et attention, les zones de menthe sont actives. Vent 0,70 degrés, 3 nœuds, plafond visibilité OK, cave OK. Température plus 11, point de rosée moins 4, QNH 1021, unité 0, 2 unités. Coucher du soleil à 18h34 UTC. Informé Pontoise au premier contact que vous avez reçu l'information Charlie. Daily 6 Pontoise, information Charlie, recorded at 1038 UTC, expect radar vector LSC. Pour une option. Avec Victor numéro 1, c'est bien pris pour l'option. C'est que avec Victor. Ok. Pontoise de Fox, bravo X-ray. Zulu Lima, rebonjour. Zulu Lima, rebonjour. Fox Zulu Lima, Cessna 172, 3 personnes à bord, on est à l'essence, c'est un vol à destination de Bernay à l'issue un retour. Fox Zulu Lima, transpondé 70-51, roulez point d'attente 05 Alpha. Transpondeur 70-51, roule Alpha, on rallèle près Zulu Lima. Conservateur de cap. Ok. Bon, la radio. D'accord. Les freins, ok. Radio.
Radio toujours trop fort, je baisse un petit peu, ça va pour toi au niveau du volume? Ouais, pour moi c'est nickel. D'accord, faut faire gaffe parce que ça peut avoir une incidence sur la radio externe. Donc si jamais pour une raison ou une autre on l'entend moins bien, on vient supposer de ce côté-là. Personne derrière. Ok, c'est bon pour moi. Et toujours correct. Là-bas. Ah, il y est. Moteur allumé ou pas? Moteur, je vois pas. Ouais. Si. Ok, pour une synchro. On avait dit qu'on laissait, enfin, qu'on laissait Christophe devant. Ouais, de préférence. Pontoise du Fox, Golf Alpha Québec, Québec, bonjour. Donc tu vois, comment s'emmerder son monde. Fox, Golf Alpha Québec, Québec, à l'information Charlie pour la mise en route hier. Ça va se faire au début. Fox, Golf Alpha Québec, 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 Québec. Fox X-ray Golf numéro 2, trafic précédent, Cessna final, rappelez final piste 05. Numéro 2, on rappellera final piste 05, Fox X-ray Golf. Fox Tango X-ray numéro 3, trafic précédent, Cessna, 1000 ans arrière, rappelez final piste 05. Par contre, du coup, là j'ai pas de montre. Hein. Bah quoi? J'ai pas de montre, ah bah je vois. Fox Québec 2 fois mise en route approuvée, transpondeur 3316, rappelez prêt à rouler. Mise en route approuvée, transpondeur 3316, je rappelle pour rouler Fox Québec deux fois. Pontoise de Fox, India X-ray, bonjour. India X-ray, bonjour. Pontoise de Fox, Bravo X-ray, India X-ray, un Cessna 172, deux personnes à bord, au parking Hispano. On a l'information Charlie pour un vol à destination de Bernay. Fox India X-ray, transpondeur 7050, roulez point d'attente Alpha 05. 7050 Alpha 05, Fox India X-ray. Et Zulu Lima, on laisse passer India X-ray. Vous avez du mal à rouler? Zulu Lima, on laisse passer India X-ray devant nous. Non, en fait, je lui ai demandé de rouler et il va passer derrière vous. C'est copié, on passe devant, Zulu Lima. Avec Victor, course option. India X-ray, laissez passer le Cessna, mais bon, normalement, vous êtes déjà derrière. Affirme, on est derrière, on laisse passer le Zulu Lima, Fox India X-ray. Avec Victor, piste 05, autorisé option, vent 140 degrés, 7 nœuds. Bon, on est passé devant. Avec Victor, merci. On le laissera nous passer devant après. Ouais. Le contrôleur, il nous a considéré comme par avant. Ouais. Il y a un effet de drillement, là, sur élément. Ouais, elle est en montée. Tango X-ray en fin de vent arrière 05. Là-bas, Damien. Tango X-ray numéro 3, le précédent. Que tu veux décoller. Je rappelle final piste 05. Bon. Tango X-ray, je rappelle final 05. Nol. Contrôlez Québec Victor. Ce Québec Victor, dégagez, bravo. Roule Hispano, s'il te plaît. Au revoir. À tout à l'heure, Québec Victor. Ok. En attente. Quelques essais moteurs et après on est parti. Ok. On est arrêté au point d'attente. Ok, frein inséré. Huile. Elle est verte. C'est vert. Ça monte. C'est normal. Ok, on va mettre du régime, attention. Régime 1700 tours. Ok, ça marche. Bon, est ok, on teste le ralenti.
vois pas qui aller. Ok. Être sur un tour stable. Ok, ça marche. Les commandes. Félix Régol, piste 0. Et 132,5. Libre, ça marche. Batterie, on, magnéto, sur boss. Ceinture. Vous pouvez attacher. Ok, ça marche. Les portes fermées, fermées, fermées. Un modèle M20E devant 496 Golf au parking. Ça serait pour rouler à froid. L'essence, s'il vous plaît. 96 Golf. Bon, c'est ça. Essence. Bon, mon 496 Golf, rouler, quitter l'essence. 5 heures. Je roulais, quitter l'essence. 96 Golf. 1, 2, 3. On a mis 10 degrés de volée pour décoller. Alternateur marche. Lampe éteinte, on est sur 0. 21, 325, c'est ok, on est au 315. Fox Tango X-ray, dernier virage. Fox Tango X-ray, numéro 2, le précédent très courte, rappelez course finale, piste 05. Ok, pendant qu'il est très courte, petit briefing décollage. On piste en 05, on départ en 05, pardon, on va monter à 2000, on va aller sur l'avant traversier, on va aller faire devant Bouisky. En cas de panne avant décollage, notre panne, on s'arrête sur la piste. D'accord. En cas de panne mineure, après le décollage, on fait un tour de piste court, main gauche, et on revient se poser en 05. Ok. En cas de panne majeure après le décollage, on va se poser dans l'axe entre 10h et 14h. On fait comme on peut, et on s'en sort bien, il n'y a que des champs. La piste est longue. Fox Tango X-ray, piste 05, autorise atterrissage, vent 0,80°7. On a quelqu'un. Atterri Fox Tango X-ray. Fox Zulu Lima, prêt au départ. Fox Zulu Lima, maintenez pour l'attente, je vous rappelle. On maintient Zulu Lima. Alors, ça va faire. Voilà, vers 14h20. Fox Québec, deux fois après rouler. Fox Québec, deux fois rouler pour l'attente Alpha, piste 05, rappelez à 5, à 3 minutes du départ. Je roule pour l'attente 05 Alpha, je rappelle à 3 minutes du départ, Fox Québec, deux fois. On démarre après lui, je pense. Derrière le collègue, ouais, il a fait ses essais moteurs. C'est chaud. Ouais. On se dit que perdre quelques degrés, ça fera pas de mal. Joli. Fox Zulu Lima, intersection Alpha, aligné au piste 05 et attendez. Je m'aligne, j'attends piste 05 Zulu Lima. Donc on n'est pas encore autorisé au décollage. Fox Tango X-ray, dégagé, bravo, roulez Hispano, quittez au parc, au revoir. Tango X-ray, je dégage, bravo, je roule au parc et je quitte. De cap, on est donc on est bien au 0. Très bien. Ouais. Caméra tête fonctionne. Ouais. Elle est rouge. 45. Je te demanderai de temps en temps. Ça marche. L'autre fonctionne aussi. Fox Bravo X-ray Zulu Lima piste 05, autorisé décollage, vent 0,80°, sinon. Autorisé décollage Zulu Lima. Allez, c'est parti les gars. Et l'autre qui vient se poser pile dans l'axe, tu sais. Oiseau. Ok, la puissance est disponible. Pas d'alarme. On accélère, le bazin est actif. Ça décolle tout seul. Reparti. Fox X-ray Golf numéro 1, rappelez final piste 05. Numéro 1, rappel final piste 05, Francis X-ray Golf. Fox X-ray, on est prêt au départ. Fox India X-ray intersection Alpha, ligne au piste 05, vous êtes décollé devant 0,70°, sinon. Depuis Alpha, on fait ligne 05 et on décolle, Fox India X-ray. Fox Zulu Lima, montée 1400 pieds, contactez Pontoise Approche, 118 décimal 8, au revoir. On monte 1400 pieds, on contacte Pontoise Approche, merci, au revoir.
vous approche de Fox Bravo X-Ray Zulu Lima, bonjour. Fox Bravo X-Ray Zulu Lima, Pontoise, bonjour. Fox Bravo X-Ray Zulu Lima, Cessna 172, 3 personnes à bord en destination de Bernay, on est en montée initiale. Fox Zulu Lima, identifié radar, rappelé en sortie pour quitter. On rappelle en sortie pour quitter Zulu Lima. Ok, volet rentré, on est ok, ça marche. On a fini le montée initiale, on va passer en vent traversier, on a dépassé les deux pistes. Pontoise approche, Foxy X-Ray. Foxy X-Ray, Pontoise approche, bonjour, passez votre message. Pontoise approche, Foxy X-Ray, en montée initiale à destination de Bernay, on passe les 9 sentiers. Type d'appareil. Fox 172, pardon. X-ray, identifié radar, 2500 pieds max, QNH 1020, appel en sortie pour quitter. On rappellera en sortie pour quitter, QNH 1020, 2500 pieds max, Fox Lady X-ray. Et on passe 1500. Je vais le monter tranquillement, on va aller à 2000. Bonjour, Miru. Donc on a une bonne visie là. L'altitude, on va réduire un petit peu. Bon, on a un petit château d'eau, c'est devant Bouisky. Pas très visible là dans un champ jaune. Celui qu'on voit là-bas, devant le champ jaune. Exactement. Non. On passe à côté de Miru pour pas les survoler. La défense à gauche avec la tour Eiffel à gauche. Ah oui. Par Québec, trafic en route parallèle secteur gauche, 500 pieds bas. On a visé dans le Québec. Et donc on dit bonjour à Damien, donc le quasi-baptême. Ouais. Donc là le jeu c'est de chercher Christophe derrière. On va être à peu près à la même altitude. De toute façon on s'arrangera pour le laisser passer devant dès qu'on sera sorti. Ouais. Un novembre whisky. C'est là. Je vous demandais bien ce que c'était. Ah, tu me diras, j'ai pas regardé le détail de la vague, mais... Château d'eau.
température c'est ok, la pression c'est ok, l'essence y'a pas de soucis, pas de fuite. Ah oui, l'essence on est bon là. Ça turbule un peu hein. Léger. Attends. Il y avait du 12-2 rafale. Et on passe devant Bouisky, 14h28. 14h28, raté. On est parti pour une 11 minutes environ. On a Vanille en Vexin. Vanille exactement. C'est juste là. Il est là, la grosse ville qui est là. D'accord. On passe juste au nord de la ville. C'est ça. De toute façon, on continue tout droit. D'ailleurs, à Vanille en Vexin, on quitte la zone, on va les appeler. T'as des questions Damien, t'hésites pas à poser hein. Ouais carrément. Ouais ouais. Bon, en arrière. Pour info, vous êtes en train de descendre, vous êtes en exercice? Oui en exercice donc à l'instant et on s'éloigne de nouveau du circuit. Oh, c'est parce que là du coup moi je suis l'approche et vous êtes dans la CTR. Ah excusez-moi, on remonte dans Québec. C'est pas grave, il n'y avait personne, c'était plus que j'étais un peu sûr. Non, Québec. Je crois que le Lima en sortie pour quitter. Lima 7000 quitté, au revoir. 7000 transpondeur en guide, merci à tout à l'heure. Signé X-ray, regardez le collègue en vue, 7000 quitté, au revoir. C'est pour Indy X-ray? Oui, Indy X-ray, 7000 quitté, au revoir. Montée de 7000, à tout à l'heure, enfin Indy X-ray. Donc Québec deux fois, contacté De Gaulle, 136 décimales, 275, au revoir. Avec De Gaulle, 136 décimales, 275, au revoir, Fox Québec deux fois. Ok, il faut sur 1825. On va voir si oui, on ferme alors. 1825. Ouais, je vais monitorer. Y'a rien du tout. La fréquence pour causer. Il y a un truc qui brille là-bas. Ouais, c'est au sol. Ouais. Sans savoir où se trouvent les andelistes. Tranquille comme ça. Et vous, information, bonjour.
Évreux Info, Fox Bravo X-ray, India X-ray, un Cessna 172, deux personnes à bord en provenance de Pontoise, à destination de Bernay. On est à 3 minutes de l'entrée de la TMA côté Saint-Clair, à 2200 pieds QNH, Fox India X-ray. Et Fox de Zulu-Lima, on est vertical Saint-Clair, 2600 pieds QNH. Fais roter Zulu-Lima. Saint-Clair, c'est la petite rivière. En fait, il y a Saint-Clair sur Epp, c'est la petite rivière qui coule en dessous là. Ah oui, c'est mignon ça. Avec des comme des étangs là-bas. Il y a 5 minutes des anglais. Ça fait pas si on peut faire un petit, si on peut faire un complet à Bernay. 3 minutes. Comme vous voulez après. De toute façon, sinon il avait parlé aussi de l'aigle, même de se poser pour changer les batteries. Ouais. Bon après si on fait un toucher à Bernay, on fera pas à l'aigle quoi. Ouais c'est là-bas, on voit en fait, on voit la scène qui est dans la cuvette là, il y a les tours là, on est à 5 minutes. Évreux de Zulu-Lima, on est à 5 minutes de Nico Golf. Et Indy X-ray, on est à 1 minute de Saint-Clair. Ils sont 10 minutes derrière nous. Ok, l'essence est toujours ok, tous les paramètres sont ok. Tu parlais de faire une boucle. Ouais. On l'a fait dans, de ton côté. Ouais. Par à gauche, je fais un 360. Donc on était venu ici avec Jean-Luc et un autre Marc, en 2019, en août, ou début septembre. Je sais plus si c'était le 31 ou le 1er septembre. Marc de Nero Non, pas celui-ci, un autre. Un autre Marc. Dommage qu'il n'ait pas pu venir. Hein. Ouais, c'est con. La forme, Damien? Ah, étant donné. C'est plaisir, hein. Là, je suis heureux. Là, c'est bien, c'est bien. C'est beau le sol, une euro. Et bon, info, Fox Indy X-ray, je baisse à 1100 QNH à 5 minutes d'éco-vol, c'est désormais. Oh, comme ça, c'est incroyable. Ouais. C'est juste un peu long. 72, hein, on est à... Pourtant, bon, on est à 115.2. 115.2, ah, quand même. Ouais, mais après, on a... Remarque, on est à 115 nœuds, on n'a pas beaucoup de vent parce que regarde, on est à 117 nœuds sol. Ouais. On a quasiment pas de vent. Ouais. J'adore le Cessna parce qu'on peut regarder comme ça en bas. C'est un vrai bonheur. Alors c'est vrai que c'est. Ça c'est. Après on a moins de verrière, quoi. On a moins de. Ouais. Pour voir, tu vois, là on est bloqué, là on est bloqué. C'est pas qu'on voit en bas. Quand tu fais une verticale, tu vois des roues. T'as le temps de chercher la manche arrière là. Ouais, exactement, pour chercher le bon cher, c'est bien. Donc les indices, c'est là. Donc il doit être sur le monticule qui est devant nous, là. Ouais, je pense, ouais. Il est derrière, en fait. On le voit quand on commence à vraiment s'en approcher. Lui, il est à 1800, on va maintenir 2005 pour assurer une séparation. D'accord. Évreux de Zulu-Lima, on est à 2 minutes des indices. On va faire une boucle du château sens horaire. On va maintenir 2005 pour assurer la séparation avec Cité Express. Super, merci beaucoup. Je suis à 2000 sur Cité Express. On est à 7 minutes. Ça c'est sympa, tous les deux, on peut descendre un peu plus bas. Ouais, t'embêtes personne comme ça. T'embêtes personne, tu peux parler. Et j'ai ralenti à 90. T'as ralenti un peu, ouais. On va le larguer. Ralentir un tout petit peu aussi. Alors, les Andes Lys, c'est
Patna qui est à droite. Fox 8 DX-ray, j'ai visuel sur Zulu Lima, il peut descendre. Zulu Lima, c'est copié, on est 2300, on va maintenir 2300. Reçu, je suis à 2 minutes derrière vous. Et 14:38. Et le virage, il vaut mieux rappeler, prendre le temps quand on va partir pour être en début de nage. Ouais, rallonge, c'est vrai que là je mais ça sert à rien. Pas non plus survoler la ville. Ouais. Donc le château il est derrière ouais. La partie des forêts qu'on voit là. En fait je vais faire la boucle une fois que j'aurai passé la Seine. Clac. En fait c'est ça ouais, tu vas au-dessus de la Seine, ouais. Tu tournes. Je vais tourner et je vais repasser devant la Seine pour ensuite. Et on le voit juste dans le coin à droite là. Hop, on va essayer de l'attraper. Surveiller l'altitude quand même. 2002-2003. Voilà, à droite en dessous Damien. Ouais, j'ai visuel. Ouais, très joli. On va faire une boucle entière. Un virage 30 degrés. Allez, 30 degrés, je le maintiens. Yeah. On va faire un exercice. Exactement. On a la vitesse, 102, 30 degrés. On est stable sur l'altitude. Face aux Anglis. Et vos infos, Foxy DX-ray, on est travers et les Gobels. On fait un tour sans horaire à 1600 QNH. Zulu-Lima, on fait notre boucle, on est à 2005 QNH. Parfait. Donc, bipi en dessous. Ouais, ouais, visuel aussi. Visuel aussi. Direct-ray, on a un magnifique visuel sur vous. Eh ben, tant mieux. On a un magnifique visuel sur le château, merci de m'avoir laissé la priorité. À 15 minutes de Bernay. Ok, et il est quelle heure? 42. Bernay à 15h.
Ouais. Alors Bernet, on a dit. Les vos infos Fox Indy X-ray pour la position de Zelulia. Zelulia, on est travers la boucle gauche de la Seine. On arrive à. On est à une minute d'économant. Un avis peut indiquer Bernet. Fox Indy X-ray, je termine ma boucle EcoGolf et je poursuis économant. Et je monte à 2005. Pour le groupe, tu peux annoncer Bernie 15h s'il te plaît. Je suis Bernie Québec Fox, 7572 de départ de Rouen, destination de tout sud, 2500 pieds au point Sierra de Rouen, sans traverser la Zasse et Rouen. Et Rouen tout suit lui. Enfin là-bas. Bernie à 15h pile. Ouais, ça va être 15h. Ouais. Sentinelle. On va commencer à monitorer. On inverse les cartes. Je prends l'autre maintenant. Merci. Alors. Disons, on le verra bien, sans doute. Donc à droite, complètement au fond, là-bas, il y a Rouen. Ouais, Rouen, c'est ça. Là-bas, ouais. À 20 à 21 km. L'aéroport, il est quelque part à droite. Mais l'aéroport, il est derrière, il est... Non, il est à droite de la ville, ouais. C'est ça, voilà. Avant, à droite, ouais, tout à fait. Quelle autoroute là ? Et vous, les Fox de l'Oliva, on est vertical, éco-novembre 2510. C'est bouffier. Ouais. Donc on passe entre une grande ville à gauche et une petite ville à droite. Non, c'est l'inverse. Grande ville à droite et petite ville à gauche. Donc on est là. La couche nuageuse est bonne là, c'est bien. Pas trop. Oh bah là, en termes de météo, on est nickel. Hein. Ouais. J'ai une bonne visite. Tu veux tenir les manches un peu ? Oh non, je peux pas. Bonjour, Fox Indy X-ray, traversée de Seine à 2 minutes de l'éco-novembre, 2500 QNH, 1020. Fox Indy X-ray, j'ai eu sur vous. Donc là-bas, on voit une grande antenne, là. On a une belle vue sur Rouen, mine de rien. Ouais, Rouen, c'est bien. Donc on voit bien le méandre de la Seine, et je me demande si... Vous pouvez répéter pour le trafic, là, qui vient de s'afficher visuel ou pas visuel ? Attention. Oui, on est dans votre arrière à vos 4h. On descend la Seine de Rouen vers le sud. Ok, c'est noté si vous avez visuel, tant mieux. J'arrive à 8 minutes, d'économie de Fox Indy X-ray. Oui, un fil qui part là-bas qui redescend, mais nous on est derrière, donc pas de danger. Là, ça reste le grand danger de l'aviation légère, quand bien même la probabilité est infime. Ouais. On peut être très surpris par des avions. D'ailleurs, c'est ici que précisément on a croisé une route d'avion, mais vraiment croisé quoi. Et heureusement, on était passé sur TMA Evreux, qui nous l'a signalé. Parce qu'en fait, on pouvait pas le voir arriver, il était dans 90 droite. Donc c'est vrai que le pilote VFR, c'est toujours un circuit visuel. Balaye.
voilà, vous pourrez faire des beaux exercices de panne en campagne. C'est pas les choix qui mentent, mais justement. Il faut choisir le bon. Ouais. Il y en a un beau à gauche là-bas, il est bien long. Ouais, là-bas, là, à côté de la route. Mais il est bien vert aussi. Ouais. Bon, après, quand c'est vert, c'est vert, enfin, ça. Ouais. Ça amortit. On est travers économant, moins 2500 QNH 1020 et on poursuit vers 8 km. C'est copié, Zulu Lima, on est à 3 minutes de whisky novembre, on est 2300 pieds QNH 1020. Avec la ville là, novembre whisky ou un truc comme ça. Novembre. En fait, c'est la ville qui est devant là. Merde, ça meurt. Ouais. D'ailleurs, c'est sûr. Oh bah non, ouais, peut-être ouais. Pas. Non, ça doit être motorisé. Mais il avait une grande aile et tout ça, donc j'ai eu un doute. Non, mais non, il a un tricycle. Il a un train. Là, à gauche, donc c'est bien. On a un visuel sur un trafic vertical whisky novembre, il est plus haut que nous, on est à 2400 pieds. Fox Level Fox, on est au-dessus de la Seine, on arrive vers Verdon, à 2500 pieds, 2400 pieds. Toxicité extrait à 5 minutes de Zulu Lima, de whisky novembre, 2500 pieds. En fait, on va bientôt sortir de la TMA d'Evreux. Ah oui. Effectivement, ouais. Encore que, il y en a un autre morceau, là. Ouais, mais en fait, si on passe sous 2005, on est en dessous. Je me permettrai de passer avec Bernay. Ah oui, d'accord. Mais tout à l'heure, je monitor Bernay, il n'y a rien. Ouais. 119-230, hein. Ouais. Ouais, 9-230, tu confirmes. 119-230, on est bien en monitoring. On n'a rien, il n'y a personne. Donc il est 51 sur novembre whisky. Minute, ça fait 59. Tu as répondu Jean-François? Non. Ouais, 59, c'est la place, c'est ce qu'on avait dit. Ben, on va... Attends, on va bientôt découvrir la zone. On va descendre un peu. Ça, c'est le Nemours. On est vertical whisky novembre 2400 pieds, on poursuit vers Bernay. Et on va quitter pour passer avec Bernay. C'est reçu pour Foxy d'extrait à 3 minutes de whisky novembre 2500 pieds. Bon, c'est là où ça va devenir intéressant. Bernay, des fois le Bravo X-Ray Zulu Lima, bonjour.
Bernet de Fox Bravo, X-ray Zulu Lima, 172 en provenance de Pontoise à destination des installations. On est à 6 minutes des installations. On voulait savoir s'il y avait du monde dans le tour de piste. S'il n'y a personne, ça veut dire vertical à 2100 pieds. Avec la manche à air, il faudra bien la regarder au début de la piste 10. C'est ça, côté des bâtiments. On a une rivière en dessous. Ça doit être celle-ci. Il y a une route qui serpente là. On a vu un peu. Ouais, c'est ça là. On est un tout petit peu au nord de la trajectoire. Donc c'est bien parce que comme ça on n'arrivera pas sur Bernet même. Bernet devant nous à gauche là-bas. Bernet de Fox Zulu Lima, on est à 5 minutes des installations, on envisage de faire une verticale au-dessus de 2100 pieds QNH. Bien. Non, visuel sur Bernet, je pense. Eh ben 1019, peut-être le plus. C'est quoi le programme du coup, on fait un... imposé ou... Si on n'a pas d'infos, c'est compliqué de poser. Ouais. Okay. On va faire une descente, basse altitude, remise de gaz. Ok. Comme ça, ça fera un peu d'animation sur le terrain, d'où un exercice de... Donc effectivement, on a Bernet en visuel, là. Ouais. La piste, elle est... derrière à gauche. En ouest, ouais. Pardon, à droite maintenant. Il n'y a pas d'erreur possible. Non, non, c'est ce qu'il avait annoncé. Corrigé, caméra 3, caméra 2, caméra 1 sur ma tête, elle fonctionne. Oui, nickel. On est à 3 minutes des installations, on va faire une verticale à 2200 pieds, QNH 1019. Toujours un peu inquiétant quand on a personne au bout du fil. Ouais. Tu demandes toujours si tu sens la bonne fréquence. Alors on a ça, on a ça, on est ici pile poil là. Ma route sur Bernet et je quitte la fréquence. Bon vol à tous, à tout à l'heure, Fox India Express. Merci. Et on va ralentir la vitesse. Bernet, Fox X-ray, Fox Bravo X-ray India X-ray, bonjour. Bernet, Fox Bravo X-ray India X-ray, 1772, deux personnes à bord en provenance de Pontoise à destination de vos installations. On est actuellement à 5 minutes de la verticale terrain, on rappellera en vue du terrain pour une intégration standard en fonction du tour de piste si vous avez déjà quelqu'un sur la fréquence. Fox India X-ray. Fox Zulu Lima pour une X-ray, donc visiblement personne sur la fréquence, donc peut-être compliqué d'envisager un toucher en raison de l'état de la piste. C'est reçu, et ben à ce moment-là on fait vertical, et, enfin vous faites vertical et vous nous dites. Affirme, on est parti pour une verticale à 2100 pieds. C'est reçu, on est à 5 minutes à 2300 pieds pour l'instant, Fox X-ray. En
que le terrain devrait être dessous quelque part à gauche. Là, j'ai toujours pas de visuel pour le moment. Alors, j'ai un bon candidat là. Un candidat, tu vois la zone toute noire là, comme un champ de gauche à droite, un peu comme un terrain, mais je pense qu'il est juste derrière, comme ça. Alors entre la jaune et la noire? Alors t'as la noire, et derrière t'as une verte et derrière t'as un peu de forêt. Noire qui est juste en dessous là. Ok, j'ai la piste en visuel. Donc effectivement la noire elle est en dessous et la bande verte c'est la piste. On est à 2005, donc on est largement, le tour de piste on confirme, il est bien à 6, donc ça veut dire minimum 2100. Bernet de Fox Zulu Lima, on est à 2500 pieds à 1 minute de la verticale, on va faire une verticale pour repérer les installations et le vent. Bernet, bonjour, Fox Juliette, Echo Victor au parking ULM, je roule pour le point d'attente Alpha. Merci. Ah. C'est un copain nous, hein, Echo Victor. J'ai vu un message sur WhatsApp qui est arrivé là, j'ai pas lu. Pas non plus. Regardez Damien. Peut-être que c'est un collègue qui nous prévient. Pour le moment, pas encore de voltige, mais ça ne va pas durer. Ok. On va lui demander si tu penses qu'on peut poser. Fermez Fox India Express à 3 minutes de la verticale, 2300 QLH. Je vais faire ça, je vais faire gauche, je vais faire une verticale terrain au retour. Ouais. Et j'y... Hein? Alors, je crois que je vois la manche à air. Non. On est à 2005. Un peu loin, là. Remarque, il y a quelqu'un qui va décoller, là. La piste en service, ça. Derrière t'as la manche à air. Taxiway, manche à air. Ouais, je vois le taxiway. Manche à air, elle doit être. Ouais, elle est au des hangars. Je vois les voitures. Là, je vois un avion, je vois l'avion. Il va se mettre en 10. Ouais. Bernet de Fox Zulu Lima, on est à 2700 pieds, travers du seuil de piste de la 10. On voit l'avion qui est au roulage. On va faire une verticale. Et repartir pour s'intégrer en début de vent arrière, piste 10, à gauche. Bernet de Echo Victor, point d'attente de Alpha, je maintiens. Pas bouger. Un Foxing d'extrait à 1 minute de l'entrée de la vente arrière 10, je pense que je vais faire un 360 de retardement pour vous laisser passer. Merci Echo Victor. Apparemment, on peut poser, voilà 10, service. Ok. Alors, on va atterrir et on va s'intégrer en début de vent arrière 10. On fait un posé ou pas? Comme tu veux. Vas-y, bah oui, on fait un posé. Bernet de Fox, bravo, X-ray, Zulu Lima, on est vertical des installations à 2500 pieds et on va s'intégrer en début de vent arrière main gauche, piste 10 pour ce complet. C'est reçu pour une X-ray. La fabrique gauche, pas ça. Bernet de Echo Victor au point d'attente Alpha, je m'aligne en 10 et je décolle. Foxy d'extrait, on est à 2300 pieds au nord des installations, on fait un 360 de retardement pour laisser la place. Et on a visuel sur Zulu Lima.
altitude de piste 1600. Ok, la réchauffe carbu. Faut faire gaffe parce que lui va nous arriver sur nos arrières. À la route, le rond-point. Mettre le numéro derrière, il est là-bas. Ligne en 10, ce décollage. À gauche, pas l'appareil. On va bien voir l'appareil qui doit être là. Oui, c'est en train de monter initial, virage à droite. Droite ? À droite. J'ai pas sur le visuel sur l'avion qui est en début de vent arrière, 10. Ok, on n'a pas le visuel sur vous. Virage à droite, c'est confirmé ? Ah, devant nous là-bas. Répétez, j'ai pas entendu. On a visuel sur vous, on est à vos 3 heures. Reçu, Echo Victor. Vous avez un transpondeur, non ? Transpondeur 7000. Ouais, je vous ai pas aussi casse. Bon, c'est pas grave. Merci Echo Victor. Pas tout de suite, c'est copié, on a bien visuel sur vous. Sur le site d'extrait, pour l'instant, j'ai pas de visuel sur l'avion qui vient de décoller, mais je suis assez au nord du terrain, donc normalement, ça devrait se reposer sur ma face. Au nord. Il n'y a pas de papy, la piste est longue, elle est large. Très début de vent arrière, 10 à gauche.
On a un travers de la droite, je crois. Ouais, on a un gros travers de droite. Travers, on a au moins 10 et 15 degrés. Voilà. 30 degrés droite. Faut que je le lis à Bernet, on est en finale piste 10, point complet. Je vais l'attraper. Alors comment ça marche là? On va rien. Ça va sur le taxi, oui. Tac, tac. Il y a peut-être une sortie là, je sais pas. Oh, je crois qu'elle est fermée. En base là-bas. Base. Bernet, Fox Golf Sierra. Bravo papa, bonjour. Bernet, Fox Idex, dernier virage 10 complet. Bravo papa, 2100 pieds QNH en provenance de Rouen à 5 minutes de vos installations, je rappelle en vue. On est obligé de lui laisser passer. Ouais. En fait, de toute façon il va se poser, il va se poser. On passe. On arrête de...
procédure d'arrêt. Ok, part. Off, frein. Tour. D'extrait, je rejoins le parking à l'enclos. Transpondeur. Standby. Radio. Off, alternateur. Sur off. On, alternateur. Off, et c'est coupure. Et nous avons Christophe qui arrive. Et... Et puis il est là le collègue alors. Oui. Bien, allez. C'est 41 ou 42 ? 42, non ? 42, ouais. La caméra sur ma tête fonctionne toujours ? Affirme. Ok, pour une synchro. De ça. Sécurité. Voilà. Les clés devant. Ah, sympa de faire un... Je suis content de faire un petit pause. Ok, clé là, avion sécurisé, attention de recul. Alors Damien ? Je suis... c'est incroyable. C'est bon ? Ouais, j'adore. J'adore, c'est juste trop bien. Ah, c'est ça cool. Donne envie, hein ? Ouais, ouais, pardon. Allez, un jour. Oui, tu vas voir, il va arriver plus vite que tu l'imagines. Ouais. Tout d'un coup, tu vas te retrouver dans l'avion, tu vas dire... Quoi, déjà ? Ah, c'est clair, là, je vais... Ouais, ça va pas durer. Dès qu'on reprend une dose, c'est pas bon. Allez, va, j'arrête tout ça. Oh là 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 là.